Salut les loulous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vais juste vous présenter un petit mouvement, facile, tranquille. C'est juste faire un demi-tour à partir de la jingue. D'accord? Donc on se souvient, la jingue, c'est ce mouvement-là. Et on va apprendre juste à changer de direction, faire un demi-tour à partir de ce mouvement. Tu vas voir, hyper simple, c'est parti. Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un coup de pied. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais cette fois-ci, je vais vous proposer quelques modalités différentes pour pouvoir le travailler, vous l'approprier tranquillement. Par rapport à la hauteur, pas de souci, on commence bas. Si on peut haut, on fait haut. Si on peut rapide, on fait rapide. Si on peut lent, on fait lent. Personnellement, j'aime bien lent. Comme ça, ça va nous permettre d'explorer plus l'équilibre et tout ce côté-là. Mais l'essentiel, c'est juste de faire, tout simplement. Donc, action! Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout comme hier, on va voir un autre coup de pied. Mais cette fois-ci, au lieu d'aller dans le sens extérieur-intérieur, on va venir dans le sens intérieur-extérieur. Là et là. Tout simplement, modalité, le nombre de fois et tout, tu choisis. Le but, c'est de bouger un tout petit peu. Partage tes vidéos, utilise le hashtag. Comme ça, on va créer un petit peu un mouvement. On va essayer de faire découvrir aussi la capoeira à ceux qui pratiquent pas encore la capoeira et qui se rendent compte que c'est pas forcément si difficile que ça. Et voilà, juste partager, bouger un peu tous les jours. Tu te brosses les dents tous les jours, fais de la capoeira tous les jours. C'est aussi simple que ça, mon ami. Allez, c'est parti. Thank you.
Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va apprendre un mouvement très important pour nous, c'est la roue. La roue, on n'a pas les mêmes codes qu'en gymnastique, donc pour nous, une toute petite roue est une roue quand même. Il y a plein de modalités différentes. Le but est juste de perdre un petit peu l'appréhension de la roue. Je vais vous proposer quelques petits exercices qui vont vous permettre petit à petit, peut-être pas aujourd'hui, mais petit à petit, de venir à faire une roue doucement et le plus progressivement possible. C'est parti. Salut les loulous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petits mouvements au sol, juste pour bouger un petit peu, travailler la mobilité. Peut-être que ce sera un petit peu inconfortable, mais petit à petit, on va réussir. Vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Quand on regarde, on se dit, ah, peut-être c'est pas pour moi, mais en fait, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Il faut juste s'y mettre tranquillement, avec bienveillance. On réussit très bien, on réussit pas très bien. La première chose, fais du caca, rate. Mais prends du plaisir à faire du caca. C'est juste ça, le plaisir, caca. Let's go. Pire entrée ever. Prends du plaisir, fais du caca. Salut les loulous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter un coup de pied caractéristique de la capoeira qui est très beau, qui est magnifique et qui est super plaisant à faire et qu'on utilise vraiment beaucoup. Donc c'est parti pour quelques petites étapes qui vont vous permettre de comprendre et d'appréhender ce mouvement. Let's go !